L'attitude de Quentin a encore irrité les internautes dans l'ultime épisode de Koh-Lanta, le feu sacré ce mardi 13 juin. L'aventurier a en effet à nouveau évoqué sa rancune immense contre Tania dans la résidence du jury final. Ils ne sont désormais plus que trois à pouvoir prétendre à la victoire dans Koh-Lanta, le feu sacré. Si est dans 2 heures à peine que les téléspectateurs découvriront qui de Tania, Nicolas ou Frédéric va emporter les voix du jury final. Mais avant cela, il faudra qu'ils s'affrontent sur la mythique et décisive épreuve des poteaux. À l'issue de l'orientation, Julie a quitté l'aventure et échoué à la 4e place maudite. Mais il y a un autre concurrent qui est encore loin d'avoir digéré son élimination, Siesti Quentin. Koh-Lanta 2023, Quentin envisage carrément de voter blanc lors de la finale. Ça te met une claque dans la gueule d'être éliminé au 38e jour sur 40. Mon aventure a un goût d'inachevé, Siesti un échec cuisant. Tania était un peu ma bête noire. J'ai voté contre elle à chaque conseil et je voulais l'éliminer depuis le début. Et au final, je me fais avoir comme un bleu. Si est-il ça qui est hyper dur à encaisser, avait-il indiqué en arrivant à la résidence du jury final. Il faut dire que le jeune père de famille avait été victime de la stratégie machiavélique de Julie et Tania avec le collier d'immunité. Il ne semblait toujours pas remis de son élimination quelques heures plus tard, comme on a pu le découvrir dans l'épisode de ce mardi 13 juin. Lors d'une discussion avec les autres membres du jury final sur les candidats qu'il préférait voir arriver en finale, il en a remis une couche sur Tania. J'ai ma petite préférence pour Fred et Nico en finale. Si ça devait être un Julie contre Tania, j'ai limite envie de voter blanc, a-t-il indiqué dépité. Elles ont fait leur coup toutes les deux. Si est-ce un très joli coup, mais je n'aille pas envie de les voir aller plus loin dans l'aventure, a enchaîné l'allié de Frédéric et Nicolas. Koh-Lanta, le feu sacré, les internautes ironisent sur le seum de Quentin, une prise de position qui n'a pas vraiment surpris les internautes, qui n'ont pas manqué de se moquer à nouveau de la rancune de Quentin contre Tania. Alban, un célèbre ancien aventurier de Koh-Lanta, cesse ainsi d'ironiser sur l'attitude de son camarade. Il ne s'en ne remettra jamais, a-t-il signalé. Les internautes ont été nombreux à évoquer l'immense somme du candidat. Et ils ont déjà hâte de découvrir la tête du trentenaire quand il verra que sa rivale est montée sur les poteaux. Reste à savoir désormais si Tania peut aller encore plus loin pour ne pas ménager l'amour propre de Quentin.